Le Real de Madrid. La grande surprise, cette quart de finale. C'est Karim Benzema. Oh, Atlético de Madrid. Derbi madrileño. Salut tout le monde, 10e épisode de Flashback, et oui, c'est déjà la fin des 8e de finale de cette Ligue des Champions 2021-2022. Après une semaine dernière où c'était un peu plus les favoris qui étaient attendus au tournant et qui ont tous répondu présent, je vous le rappelle, le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool et le Real Madrid ont tous validé leur ticket pour les quarts de finale. Eh bien, cette semaine, c'était un peu plus la semaine des surprises avec notamment ce duel entre l'Ajax et Benfica qui sentait bon le suspense. Avant d'aller dans l'analyse et le débrief de la rencontre, je vous propose de revoir le match en version raccourcie et avec des images backstage où on avait une équipe sur place et c'est vraiment, vraiment sympa. Final, hein, depuis le moment où on a décidé que les buts à l'extérieur ne comptaient plus double. Mais voilà, on a remis les compteurs à zéro. C'est une finale ici ce soir avec un avantage pour l'Ajax et le terrain. Le centre, il est pas mal. La reprise, comme d'habitude, à côté. Mais c'est incroyable, c'est formidable. Ouais. Non, on en a. Au voilà. But ouais, voilà. Non plus, mais voilà le but de Núñez. Mais honnêtement, l'assiste, hein, ouais. Parce que je pense pas qu'il y avait faute là-bas. Il faudrait la voir à vitesse réelle, là, parce que... Bon, cela dit, tant pis, Alex. Là, oui. Il faut y aller. Voilà. Ça se passe sur une phase arrêtée, ça devient logique. Qui avait une attaque mais absolument dingue avec des airs d'humanité fantastiques, ils auront tout raté ce soir. J'ai rarement vu une équipe de l'Ajax rater autant. Ouais. Moi je dirais plutôt élimination de l'Ajax que qualification de Benfica. Comme De Bruyne, Courtois, Hazard ou Origi, Yann Vertonghen sera lui aussi en quart de finale de cette Ligue des Champions 2021-2022. Et quand on parcourt un peu son Insta ce matin, eh bien on voit qu'il est plutôt heureux, le défenseur belge, qui commencerait même peut-être une petite bromance avec Nicolas Otamendi, son partenaire en défense centrale à Benfica. Et puis Yannick Carrasco, qui est lui aussi qualifié pour ses quarts de finale de la Ligue des Champions, même s'il n'a pas joué, lui qui a purgé son deuxième match sur 3 de suspension. Il a quand même dû profiter du but de Renan Lodi, même s'il n'a pas pu profiter de jouer sur la pelouse du Théâtre des Rêves de Manchester United. Et d'ailleurs, si vous êtes comme Yannick Carrasco, un inconnu du Théâtre des Rêves de Old Trafford, eh bien cette visite guidée est pour vous. Et oui, nos guides Xavier Chen et Quentin Wolvert nous font un petit tour du Théâtre des Rêves, Old Trafford. Et honnêtement, c'est vraiment mythique. Salut Thomas, ben voilà, on est à Old Trafford ce soir, stade mythique, là je suis avec Xavier Chen hein, pour cette rencontre. Xavier, on est plutôt bien placé hein, ici au stade d'Old Trafford, vraiment, on va vous montrer ça, on est vraiment au bord du terrain avec une vue parfaite. Ouais, finalement on est posté un peu plus haut dans les autres stades, mais en tout cas ici on est proche de la pelouse, on vit le match comme les joueurs, et donc c'est limite un peu dommage d'entendre que... peut-être ce stade va être démoli ou rénové du moins, parce que c'est quand même un stade assez mythique. Voilà la vue à laquelle on a droit au bord du stade, on est quand même à une hauteur tout à fait respectable pour vivre ce match. Alors c'est à l'ancienne hein, parce qu'on est assis sur des vieilles banquettes rembourrées, encore en bois. Ça rappelle un petit peu Anfield avant le nouveau Anfield, là, on était assis sur des planches en bois pour commenter. Donc voilà, ça garde un certain cachet, un certain charme. Ouais, ça c'est aussi la petite promenade évidemment pour aller faire les interviews d'avant-match, en tout cas les duplex d'avant-match puisqu'on peut avoir la chance de passer devant les bons.
mythique hein, de ce stade d'Old Trafford. Il commence à se remplir tout doucement avec notamment là le parquage de supporters adverses, les supporters de l'Athletic qui sont déjà présents en grand nombre. Ouais, les supporters d'Atlético Madrid qui eux ont dû bien faire la fête à Old Trafford. Par contre, c'est pas vraiment la fête du côté de Chelsea, vous le savez. Les Blues ont vu leur compte en banque bloqué par le gouvernement britannique. Il y avait donc des questions de savoir comment est-ce qu'ils allaient arriver à Lille. Du coup, on a un peu mandaté nos commentateurs Bernard Boly et Thomas Châtel de surveiller l'arrivée des Blues. Et vous le voyez, ils sont bien arrivés dans un bus 5 étoiles tout confort et non dans un minivan 7 places comme Thomas Tuchel l'avait blagué en conférence de presse. À côté de ça, les Blues se sont imposés à Lille, un peu dominés en première mi-temps, mais globalement, les Londoniens ont bien maîtrisé leur sujet. Et on va tout de suite filer au stade pour retrouver nos commentateurs Bernard Boly et Thomas Châtel qui nous débriefent la rencontre. Voilà Thomas, ce match se termine ici, on a vécu une belle ambiance hein, dans un stade. On a senti que les Lillois vivaient vraiment l'événement du jour avec beaucoup de plaisir. Super atmosphère, hein, cette équipe de Lille et son public qui attendaient avec impatience ce match retour chez eux. C'était un petit peu la récompense de toute une saison de travail et puis d'une phase de poule totalement réussie. Je pense que le Shell était trop loin, trop haute pour cette équipe aujourd'hui et ça s'est ressenti sur le terrain. On y a cru finalement du côté de Lille qu'à quelques petits moments. Ouais, en face, on a senti cette équipe de Chelsea sportivement. On va dire que rien ne peut leur arriver, c'est sur le terrain que ça va se jouer et en dehors malheureusement pour eux. Oui, c'est vrai que sportivement, ben, on les sent maître de leur sujet. Hein. J'ai envie de dire qu'on se rapproche du niveau de Liverpool et de City, ça veut dire le top. Et par contre, ben oui, sur le long terme, est-ce que ça aura une influence sur leur prestations? Est-ce qu'ils pourront terminer la saison sportivement? Ce sont toutes des questions qui se poseront, mais en tout cas, quand on voit les joueurs, quand on voit Tuchel, ils sont toujours autant impliqués. Voilà, et nous maintenant on va rentrer à la maison quasiment directement. C'est le gros avantage de Lille, hein, c'est que c'est pas loin d'avenir. Oui, à part un parking à mon avis bien bondé. Effectivement, merci Thomas. Ciao les gars. Merci les gars, mais donc voilà, on a tous nos qualifiés avec Chelsea, mais aussi Villarreal qui s'est imposé en démonstration 0-3 à la Juventus qui continue de décevoir. Et donc voilà, 8 qualifiés pour les quarts de finale. On connaîtra les affiches des rencontres de ces quarts de finale demain vendredi. Mais en attendant, nos collègues néerlandophones Peter Van Den Bremt et Gert Verheyen se sont amusés à faire un petit tirage version Pix Plus Sport. Meister, die beste, grande équipe, the champions. Bonsoir à tous, bonsoir, bon avond. Het is tijd voor de loting voor de kwartfinale, die gaat zo de kwartfinale. Première équipe, eerste ploeg, Bayern München. Speelt tegen Zuko. Playing against Benfica. En uitgaan van de groepswedstrijd. 2 overwinningen voor Bayern. Interessant. BNB. Le Real de Madrid. La grande surprise. Cette quart de finale. C'est Karim Benzema. Tegen. Atletico de Madrid. Derby madrileño. Jurgen Klopken. Wie gaat Klopken Klopken geven? Tegen. Hola. Manchester City. De strijd om de Premier League. Continuer sur la scène européenne. Quel amour. Et qui reste encore? Roman Abramovic, Jean Sou, qui vont aller à pied. Ou en nageant probablement. À Villarreal. Voilà, mesdames et messieurs, le tirage au sort, les quarts de finale. Belle affiche. Merci.
Bon ben, sympa ces petites affiches, un duel du nord de l'Angleterre et un derby de Madrid. Ça promet, on espère avoir la même chose pour le vrai tirage qui est lui prévu donc vendredi aux alentours de midi. Et ça à suivre en direct hein, sur Picture Sport, donc n'oubliez pas de nous retrouver en direct pour le tirage au sort. Moi, je vous laisse avec ça, je vous retrouve dans 3 semaines. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.